quel plaisir. Mon truc préféré du matin, ouvrir le rideau. Ça va, Ti? Ça, c'est vraiment le cliché des meufs qui se lavent les cheveux, en fait. Hein. Ouais, c'est vrai. Pourquoi vous faites tout ça? Mais je crois que les mecs aussi comment font ça. Comment vous faites ça? J'ai jamais ça sur ma tête. Hein. Ouais. Comment tu fais? Bah, en gros, regarde, tu fais ça. Ouais. Et en fait, après, tu tournicotis, et tu lèves. En fait, c'est bidon. Bah ouais, c'est bidon. Mais en fait, ça permet bien. Et du coup, dans ça... Ouais. Il y a des cheveux là. Ouais. Mais en vrai, c'est grave pratique, hein. Du coup, bah là, ils sont en train de sécher, tranquille. Voilà, petit tuto dès le réveil, les amis. Ça va? Ouais, et toi? Bah ouais, tu vas passer une bonne journée aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais en vrai, je suis moins hype que les précédents. Comment ça, t'es moins hype? Enfin, genre, je suis trop contente, mais je le garde en moi. Pourquoi? Bon, je sais pas. Ah, peut-être parce que c'est plus aussi nouveau qu'avant. Ouais, du coup, tous les bonhommes dans mon ventre, ils sont super contents. Genre, ils font tous la fête là. Bah, moi, je suis plus hype que toi, j'ai l'impression. Oui. J'attends midi. Bah ouais. Super! Direction, les amis, le petit déj, you! Les amis, regardez, Pidi, elle avait en fait, elle met souvent mes t-shirts. Et du coup, c'est un petit mignon. Du coup, bah, elle a quelques t-shirts à moi de temps en temps, et aujourd'hui, putain, je change en plein de vêtements, mais j'ai hâte d'avoir ma valise ce soir. Hein. Co-créateur Valouze, les gars! Bah attends, mais sacrée coïncidence là. Ça va? Bah toi, t'es en galère ou quoi, meuf? Pourquoi la porte était fermée? Mais elle est lourde ou quoi la porte? J'ai l'impression que t'as galéré à... Tu vois, genre elle se... Ah oui, putain. Oui, il y a la retour de force. Ça va ou quoi? Ça va, t'as bien dormi? J'ai l'impression que t'as gueule au cul. Ah putain. C'est l'alcool qu'on a tout bu hier soir. Ah ouais, hier soir, les amis, et hier, la journée... À peau. Ah non, mais t'as un peu... Hier, la journée, une note sur 10. Même la soirée, c'était un peu... Franchement, c'était trop énervé. C'était vraiment trop énervé hier. On s'est tapé des barres, que ce soit bah, pendant le vlog et tout. Et le soir, quand moi j'ai cut un peu plus tôt, je suis redescendu. Oh, on a fait une petite fête et tout. Oh, en plus, tu sais, il y a le son dans le plafond et tout. Mais dehors aussi. Ouais, ouais, en fait, qu'importe où t'es, il y a du son à mort et c'était énervé. Dobby, hier, c'était énervé ou pas? Moi, faut que j'annonce un truc. Hier, je me suis enfui. Je suis allé me coucher. Il m'a envoyé un message. Il était se coucher à 22h. Il m'a dit, ah frère, top soirée, l'une de mes meilleures. Par contre, j'ai dû partir, j'étais bourré. Frère, en fait, c'est dans ces vacances, tous les croutons se dévergondent. Donc normalement... Tout le monde se dévergonde. Hein. Jamais de la vie, je fuis. Mais, normalement, jamais de la vie. Alors, déjà, est-ce qu'on a tapé une vraie soirée? Non. Là, on a tapé soirée, en fait, on dansait et tout. Là, vraiment, on dansait sur le dance floor ici. On était là à danser. Vous y? J'ai jamais vu au-dessus de 21h avec nous. Ouais, c'est vrai. Hier, il est parti mais après moi. C'était le dernier à aller se coucher, j'allais me coucher. Bouzy était encore dans le canapé. Mais ouais, c'était énervé. Franchement, j'ai kiffé. C'était trop drôle. Et Inox, hein, vous connaissez. De toute façon, en vrai, il y a peut-être des gens qui ont vu des extraits sur les stories. Parce que tu sais, genre sur YouTube, en fait, moi j'aurais bien voulu filmer et tout. Hein. J'ai aucune gêne. Mais juste, bah, quand t'écoutes de la musique, c'est vite. Ça strike, quoi. Mais c'était trop bien. Tu prends quoi pour mon petit déj? Non, j'ai pris un petit bout de. Je sais pas quoi. Ton tout petit bout. Il est pas ouf. Mon petit bout de quoi? De fromage ou l'autre bout? Ton bout de fromage. Ah, l'autre bout, il est grand, t'inquiète. Après, j'ai pris un peu d'ananas. 3. Ok. 2 fraises, 2 framboises, 1 croissant. Et j'ai demandé un thé. J'ai dit, fais-toi plaisir, mets-moi le thé que tu veux. Et du coup, c'est un thé à quoi, tu crois? Bah, je l'ai pas encore. Ah, c'est ça? C'est ça, hein. Ah, il m'a peut-être dit, faut peut-être que j'attende un peu. C'est un thé classique. Qu'est-ce que tu prends de beau? C'est ça. Les petits choux. J'hésite à me prendre un petit bout de fromage. Moi, j'hésite à prendre du saumon fumé. Ils ont mis du saumon fumé. Oh, je peux pas, ça va pas. Putain, je prends du saumon fumé comme un bobo. Un petit bobo. T'as un petit mot pour ton petit cœur de beurre? Bah, il me manque beaucoup. C'est Doc, hein, les gars, si vous n'avez pas compris. De la fête. Yeah, c'est trop bien, sans Doc. Je fais jamais ça. À 21h, il fait dodo. Allez, petit saumon fumé. Ça va ou quoi, gros? Tranquille. Attends, mais tu es une dex, abricot. J'ai pris du saumon fumé, des caprons. Mais on dirait des. Ah, c'est des caprons? On dirait des fleurs, tu sais, carnivores. J'avoue. Eh, salut, ça va ou quoi? Des mongorgons. Trop bon. T'as pris des cacahuètes aussi? Non. J'ai pris des pistaches. Enfin, des pistaches, ouais. Du fromage et du saumon. Ça, une anecdote, c'est les graines de pipasol, là. Des tournesols, ouais. Moi, j'appelle ça des pipasols. Mais moi, j'ai mangé juste pour le sel qu'il y avait sur les cookies. Ça prend du sel. Mais en vrai, du saumon fumé, ça passe bien le matin, je trouve. Déjà, fromage, je suis en mode, oh, j'ai bien envie de d'esquive. Ah, moi, je suis plus sucré, salé, du coup. Moi, je suis plus fruit. Ah, je vais me prendre les fruits après. Tu vois, Mais je m'attends à Dieu, ça va ou quoi? Aujourd'hui, je vais tourner une vidéo juste tout seul, face cam avec un décor. C'est vrai? Ouais, comment ça, avec un décor? Bah, avec un. Une jus. Tu veux tourner quoi? Les gens, mec, ils m'ont spammé de comment j'organisais. En fait, tous les soirs, je remercie les gens. Et du coup, ils me disent. Comment tu fais pour faire? Viens, ramène un crouton dans le milieu de vidéo. Viens, tu fais un interview au crouton. Mais ils me demandent comment j'organise et j'avoue que je l'ai jamais fait. Pourquoi tu rigoles?
Et vu qu'il y a plein de gens... C'est pas un concept qu'on connaît. Et vu qu'il y a plein de gens qui bossent en fait derrière aussi, il n'y a pas que moi, genre j'ai pas fait tout seul. Ouais. Bah au moins c'est une petite dédicace pour eux. Bien, bien. Ok, bah vous savez hein les gars. T'as une petite idée toi aujourd'hui ce que tu vas faire? J'ai une idée cette nuit, ouais. Ah ouais? Cette nuit? J'avoue, t'as un truc là, wesh. C'est la ramasse miette. En fait, dans la salle de sport, on va faire un... Tu te rappelles du jeu de la bouteille d'eau? Ah, celui qui tient le plus longtemps? Ouais. On va faire un truc comme ça, mais avec... Avec les... Sérieux? Ok. C'est bien, je vais pas tenir très longtemps. Hé hey, les gars. Mal au moins. Je t'ai courbaturé au pec. Ah ouais? Tard, je suis tellement courbaturé que moi, t'inquiète, je vais le tenir 5 secondes. Courbaturé au pec de fils de pute. Ouais. Hein. Bah moi, j'ai plus l'habitude de faire du soulevé développé couché, là, je sais pas quoi. Toi, Pide. Je vais faire une vidéo gâteau d'anniversaire. Parce que hier, c'était Bouzy. Dimanche dernier, c'était Apo. Et dans pas longtemps, c'est C'est quoi ce que t'avais demandé Un shaker naturel. Il y a quoi dedans? Je peux goûter une gorgée. Flocon d'avoine, lait d'avoine et une banane. Je te donne mon avis. Goûte. C'est flocon d'avoine, lait d'avoine. Il y en a là du flocon là. Et une banane. Et... Ah. Tu vas voir, hein, c'est pas incroyable. Hein. Moi j'aime pas trop. Ça fait un peu farine. Moi c'est cul sec. Ah, bah, oui, ça fait un peu pâte à gâteau quand même. Bah, mec, c'est ça. Hein, c'est cul sec, et ça sert à quoi? À te blinder le bide. C'est croquant. Tu réfléchis pas quoi. Ouais, non. Après, non, après ça va, c'est pas si dégueu que ça. Non, ça va. Mais on dirait de la pâte à crêpes, quoi. Sachant que t'as dit cul sec, il te reste la moitié. Non, mais il reste une omelette de 4 œufs. Donc en vrai, je vais attendre. Ah, mais il la ramène. Mais ah, toi, ouais. C'est vraiment le petit roi en fait, un inox. Tu sais que je mange comme un porc, je galère. Eh, d'ailleurs, tu t'es pas pesé? Ah, ouais, faut que je me pèse. Mais là, j'ai triché, j'ai bu de l'eau. Tu penses, je fais combien? 66,4. Déjà, il est 68. 65. 65,2. Allez, tu me dois. T'as gagné. J'ai perdu 1,5 kg dans la nuit, gros. Tu dois, hein? Comment c'est possible? Mais attends, je suis même pas allé aux toilettes. Hein. Je suis même pas allé aux toilettes. Il a perdu 1,5 kg. Mais hier, on a mangé. J'ai une morphologie de merde. Ah oui, on a mangé. Hier, on a mangé de la viande, frère. Il y avait au moins plus de 500 grammes par personne déjà. Oui, mais j'ai perdu 1,5 kg dans la nuit, gros. Hein? Tu me dois 65 euros. Elle va où? Elle s'évapore, la nourriture? Attends, tu me dois 65 euros du coup. Non, je te dois 52 euros. Il y avait un pari? Mais non, il y avait 65 là. Il y avait un pari? 65, j'ai ouais. Bah en fait, je l'avais dit, moi je suis sûr certain, tu feras en dessous de 66. Il m'a dit non, je fais, bah écoute, si tu fais plus de 66, je te donne 66 et les poids. Et si tu fais moins, tu me donnes 65 et les poids. 66,7. 0,8. Gros, j'ai perdu. Putain, mais du coup, ma soirée est rentable de 7 euros hier. Mec, j'ai perdu. Oui, t'as payé 59 euros pour Mouzi. Il a payé 59 balles pour que Mouzi saute dans la piscine hier à 22h. 500 balles qui sautent dans la piscine. Oh bah, moi, la loose. Okay. Ce soir, on se repèse 67. Vas-y. 499 balles. Okay. Je sais, 400 balles. Hey, du coup, c'est le dernier qui est encore en lice qui paye. Hein. Ouais. 450. Mais non, il a dit 400. Bah, 400. 390. Ouais. Toi, 390. Ouais. Oh, nous, on le laisse. Ah ouais. Mais... Vas-y. Bah vas-y, laissez-moi. 300 balles. 280. 279. 250. 200. 190. Inox, tu veux passer dans la piscine? 189. 180. 179. 150. 100 balles. J'aime bien ce qu'il 100 balles. Là, ça va devenir intéressant. Là, je vous le dis, là, ça va devenir intéressant. 90. Là, mais hier, il y allait pour 59 euros. Là, il fait un peu plus chaud techniquement. Mais pas la star, je continue. Tu Bah, tu mets pas la tête. Elle fait trop la star. Ah, bah ouais. Tu mets pas la tête, c'est juste tu rentres dedans, tu mets ton corps, tu fais une petite brasse et c'est parfait. Tout. Parfait, bah moi 50. Hein. Oh, 50. Alors là, Bouzy. C'est qu'entre vous deux, du coup, c'est toi qui dois payer. Pourquoi t'as arrêté? Tu veux payer? Mec, c'est 50 balles, c'est bah, du coup, là, c'est entre vous deux. Hein. Donc, c'est toi qui payes. Plus cher que toi hier. Mais 50, c'est trop bien. 45. 45, là, j'aimerais trop qu'on arrive à 5 euros. Oh! Il a tapé une balle! Eh, le cerveau il a tapé une balle! 50 balles, tu fais pas 50 balles! Non, je suis à 45. 45? 44. De toute façon, je peux pas perdre de l'argent que j'ai mis dans Diablo hier, hein, c'est pas possible. Donc, je vais aller jusqu'au bout, moi. À 40. Mais descendez en plus de 10 euros. 40. Descendez. Allez, on veut du combat là! 38. 34. 30. 29. Ah non. 25. 20. Oh, ça saute pour 20 balles. On va sauter gratuitement ou quoi là? C'est pas très gros. C'est juste l'ego là. 20 balles là, 19. 15. Oh. 13. Je rappelle, on a commencé à 500 euros. Hein. Est-ce que moi, tu sautes pour 13 euros? J'ai une maison à payer, moi. Les petits sous, ils font les grands sous. Hein.
Tu sautes pour 13 euros? Inox, 13 euros, tu sautes? Ouais. Jamais de la vie. Hein. Encore moi, tu l'aurais sauté. Gratos, comme au Mexique. Au Mexique, il aurait sauté aussi. Et hier, vous m'avez mis dedans. Elle est vraiment froide, les gars. Bon, elle est 12 du coup, t'as dit? Bah, je vais pas surenchérir. Hein. Enfin. Bah, si. Non. Bah, tant que là. Donc, tu sautes pour 12 euros, vous dites. Allez, c'est parti. Non, non, là, c'est 13. 12 euros, une fois. 12 ou pas? Moi, je suis à 13. Ah, c'est 13? Bah, 10, ça va. 10 euros! 10 euros! Allez, je te laisse y aller. Rigole pas, tu vois. 10 euros. Ma fierté en prend un coup, mais bon, bah. Ouais, mais je vois pile dans la piscine, quoi. Ouais. Pas la première fois. C'est la deuxième personne qui va dans la piscine. Ouais, c'est vrai. Pire, tu me passeras quand ouais, tu Est-ce que t'as ouais, j'avoue. Après. Qui est-ce qui donne les 10 euros? Moi, c'est lui. Okay. Après, allez, Pidi, là maintenant. Que, du coup, j'ai trop le seum. Parce qu'hier, on s'arrêtait à 59 balles. Ouais. Alors, j'aurais su qu'on aurait pu aller jusqu'à. Après, là, ce matin, moi, j'y vais. Mais là, les meilleurs, là, l'eau est meilleure. Qu'est-ce que m'a trop le seum? Et normalement tu sautes dans la piscine pour gratuitement, hein. Oui. Elle se fait quand même 10 balles. Oui. Bah ouais, moi. Allez, Pili, c'est vais, juste. J'y vais pour 10 balles. Maintenant, le problème, c'est qu'elle est obligée d'y aller maintenant tout de suite. C'est ça le truc, la contrainte. Putain, je dois y aller pour 10 balles. 10 balles, t'aurais sauté ou pas, Papo? Ben non. Ah, il fait froid en plus. Allez, Pili. C'est le mental, gars. C'est le mental, mental d'acier. Ah. Mental d'acier, mental d'acier. Ah, elle est super bonne. Elle est chauffée, mec. Hein. Elle est gelée, putain, elle est gelée de super ouf. Super bonne. Elle est gelée de franchement ouf, putain. Oh, putain, en plus, j'ai même pas de soutif et tout, wesh. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ah, 10 euros, Pidi. Ah. 10 euros, let's go. Elle est vraiment frisquette, en vrai. Hein. Ah oui, tu fais une longueur. C'est pour se chauffer. Bon, bah, je fais un PayPal pour... C'est bon pour la circulation du sang. Elle est à combien de degrés environ, là? Je sais pas, 12. Là, elle est à 12. Bah en plus ouais elle a fait la nuit là. Mais c'est dommage qu'elle soit pas chauffée en vrai hein. Et le vent ça fait que on dirait qu'elle est encore. Ouais bah froide. Surtout là elle va sortir avant froid. Elle va cailler là. En vrai ça fait du bien. Bah ça réveille hein. No joke ça fait super du bien. Bah si j'ai super froid. Ça fait super du bien. Oh j'avais pas profité de cette petite vue encore. Les gars je vais encore vous casser les couilles. Oh là là c'est magnifique. Il y a moins de brume ici cette fois-ci. Mais waouh. Oh mais non. Oh mais non. Le footballeur. Oh là là on est là. J'ai pas ma vie de foot parce que j'ai pas de valise. Ça va? Bah ça va. Nickel. Ça nous prépare quoi là? Une petite vidéo? Petite vidéo tranquille. Qui est le plus fort? Fin de tournage de Bouzy les gars. C'est quoi ton état Inox? Ça vous dérange pas les gars? Je sais pas si je peux faire la séance là. Je fais comme ça. Moi j'ai celui-là moi du coup. Hein? Ça va ton état? Oui. Elle a été très forte. Très très forte. C'est dans le monde. Sur la chaîne du Bouzy. Normalement elle est déjà sortie de toute façon en vrai de vrai. Donc, juste pour la miniature. Oula ça t'a fait une miniature. Les gars c'est la première fois que je fais ça. Au lieu de faire des screens de la vidéo je pense à une photo tu vois. C'est bien. Mais parce qu'il y a Aurore qui est là. Elle va nous faire une belle photo. Ok vous êtes prêts? Allez. Vous mettez 3, des personnes, les gars, 2, 1, go. Tu vas faire ton montage hein. Toi t'es efficace toi. Efficace ouais. Efficace. Dans une heure elle est en ligne quoi. Les gars, cette scène-là, elle me fume de rire. Hein. Les croutons faire du sport, quoi. Souvenez-vous au début. Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Les valises arrivent ce soir, je reviens ici à 22h les prendre. Quoi? Fébrinox. Y'a nos valises ce soir! Oh oui, bébé! Ça, c'est bon, je vais pouvoir enfin changer de calbar! Ouais! Ça va, mon Alvosito? Ouais. Ça fait le montage? Ouais. Putain, toi, tu perds pas de time. Hein. Je rigole bien devant des petits blagues que j'avais pas entendues. Ah ouais? Non, mais des petits trucs, quoi. Mec, on récupère nos valises ce soir avec Inox. C'est une bonne nouvelle. 22h. Donc elles arrivent aujourd'hui du coup. Normalement. En avion. Ouais. Donc ils prennent l'avion qu'on avait là, pris. Là ils prennent l'avion, là ils sont dans l'avion. Là. Après, bonne nouvelle. Putain. Du coup, non, on avait rien de prévu aujourd'hui. Ouais. Mais du fait que la météo va changer en fin de semaine, on a dû décaler des activités. C'est-à-dire en gros, on a une activité en fin de semaine. Ouais. On va faire du kayak. Ouais. Avec manchots et tout ça. Ouais. Et sauf qu'il pleut vendredi. Ouais. Non, c'était prévu vendredi. Tu me crois que c'est cet après-midi que j'ai pris mes GoPro. Non, non, c'est pas ça. Par contre, cet après-midi, c'est hélico. Alors que non, on l'avait pas. Ouais. Je suis ravi de ta mère. Ouais, je te jure. Genre sur là, tout ouais. Ça. Oh du coup, on mange là, il vient nous chercher après manger. Oh et après. On dirait Apo. Apo ouais, ouais. Wesh, on dirait un décor de film là. T'as le vertige? Non. T'as pas le vertige? Tu parles sur l'élastique. Sans un parachute, t'as peur? Sans parachute? Ouais. Avec qui? Toute seule. Avec toi? Ouais, par rapport au truc, tu sais, on avait gagné le dîner presque parfait là. Ouais. On va aller manger ou je sais plus quoi, faire une nuit ensemble. Ouais. Bah, du coup, on s'en va en l'air en fait. Oh, du coup, on s'en. Il est en roue libre! Il a improvisé, il est en roue libre. Oh, c'est trop beau avec les nuages là-haut là. Mais non, on va faire de l'hélico. Mais non. On va faire de l'hélico? Non. Si? C'est vrai? Je te jure. Mais c'est incroyable. Mais ça va être insane. Mais toi, t'as déjà fait de l'hélico du coup aux Alpes? Aux Alpes, ouais. Ah, mais oui, c'est vrai. C'était trop bien. Mais là, on va faire de l'hélico. Mais wesh! Eh, si, si,
si à ce temps-là derrière. Ça va être énervé. Normalement, on devait le faire vendredi, mais il pleut. Mais là, il fait méga beau, là, en fait. Ah ouais, de ouf. Ah, il pleut vendredi. Ouais, il pleut vendredi, du coup. Après, je suis tout seul. Ah, putain. Mais attends, mais là, il fait extrêmement beau, en vrai. J'arrive pas à ouvrir mes yeux. On va faire un tour d'hélico. Arrête. Si. Ah bon? Cet après-midi, on va faire un tour d'hélico. Et tu crois qu'on va tous rentrer en même temps dans l'hélico? Ah, bah, je sais pas si c'est un grand hélico ou pas. Non, je pense que ça va être deux sessions peut-être. Ouais, mais ça serait cool qu'on soit tous ensemble dans l'hélico. Ouais. Je mets quoi comme minia? Pourquoi tu tires la gueule? J'ai envie de faire caca. Oh, vas-y, c'est la maison du caca ici. Hein, toi aussi? Non, mais toi et Dobby là. Il faut des valises, je leur en premier. Ouais. Du coup les valises, non c'est bon, mais je pense qu'on va faire passer la valise inox en bas, tu sais, il y a un garage, on va l'ouvrir. Ouais. On va la monter discrètement dans la chambre. Et en fait il y a deux choses. Moi, je trouve le plus marrant, c'est qu'on enlève des vêtements, on la referme et on la rend à Mario. On laisse juste les caleçons. Non, c'est trop grillé, il va comprendre. Non, pour moi tout ce qui est le luxe, genre c'est Jordan 4. Ah oui, on les enlève. Genre s'il a des fringues genre vraiment chères, on les enlève. S'il a genre je sais pas des trucs électroniques genre GoPro et tout, on enlève, tu vois. Ah oui, la sensation émotionnelle, il va dire putain j'ai ma valise, il va le dire. Il va la monter. La vie t'es un bâtard. Par contre, il risque d'être énervé. Ouais, mais moi ça va être trop dur de pas rigoler. Ça va être trop dur. Ouais. Ok. Le prank est en place. Inox, donne-moi ma cire, enculé. Inox, t'as un truc à dire? Ouais, dans mon lavabo. T'as un truc à dire? Ta cire? Vas-y, je vais te la chercher. T'as un truc à dire? Mais frère, cache les couilles, les gens, je vois des TikTok. Oui, Inox veut pécho de Apo, frère. Imagine, ça se fait pas pour Doc, les gens qui disent ça. En plus, moi, je m'en bats les couilles d'Apo. Du coup, on mange à midi, mais de la salade, parce qu'ils avaient pas le temps de préparer autre chose. Okay. Parce qu'à 13h, on part. Ok, Inox? Mais ouais, t'as raison, j'avoue. Hein? Mais oui. Non, mais les gars, faut pas dire ça en plus. Déjà, d'une. Le respect, les gars. Je suis comme ça tout, avec ouais. Tout le monde. Mais ouais, Inox. Et Inox, c'est comment? Avec midi? Oui, bah attends. Mais comment? Parce que mes cheveux, ils sont un peu mouillés, et si après, ils sont plus humides, je suis dans la merde. C'est bon, tu récupères ta valise tout à l'heure. Mec, on récupère notre valise today, ma boy. Oh oui, bébé. Instant disco. Pour être honnête avec les abonnés, ceux qui font ça là, les trucs en mode ouais, Michou, ouais, Inox, ouais, Apo, ouais, Inox, ouais. Ouais, style par exemple. Non, les gars, faut pas. Votre pseudo-compétition, etc. Genre, les gens vous comptent partout. Moi, ça me saoule. En ce moment, c'est chiant. Complètement d'accord. C'est pseudo-compétition. En fait, en gros, les gens, ils se rendent pas compte parce que tu vois, le mec. Le meilleur couple, le meilleur machin. Ouais, c'est ça. Et le mec qui écrit ça, il pense qu'il est tout seul à écrire ça. Sauf que. Non, mais en fait, il y en a tellement. Il y en a tellement. Les gens, ils sont trop dans la compétition et tout. Et je parle pour nous, mais ça se trouve, il y a d'autres youtubeurs, ça leur fait. Hein. Mais je pense que quand t'as un brin d'influence, entre guillemets. Mais les gars, faut arrêter ça, en fait, c'est chiant. En fait, c'est toxique. Ouais, c'est toxique. Mais après, c'est pas tout le monde qui fait ça. Après, il faut passer outre. Mais ceux qui le font, ça se trouve, ils se rendent pas compte. Non, mais je pense qu'il faut juste passer outre parce que faut pas calculer. Ouais, faut pas calculer. Mais non, mais faut dire aux gens. Mais mec, jamais les gens. Ça arrive pour d'autres gens, après, ça fait du harcèlement et tout. Jamais, il y a toujours eu ça, frère, ça changera jamais. Ouais, mais viens, on change ça. On arrête le harcèlement. Ça veut dire, on arrête. Si vous voulez dire un truc, vous le dites pas. Oui. Les plus jeunes, oui. Des fois, ils écrivent des trucs sans se rendre compte. Ouais. Par exemple, quand t'écris Apo, elle veut pécho Inox, et Doc, il reçoit ouais, ça. Doc, il reçoit ça, bah, c'est du harcèlement. Oui, oui, je suis d'accord. Mais ça se trouve, le mec de 10 ans, il a pas fait exprès. Bah, il avait pas une mauvaise intention. Ouais. Donc faut dire, les gars, juste ceux qui font ça, faut pas quoi. Après, c'est pas grave, ouais, hein, non, ça arrive à faire des conneries. Hein. Bah, mais même, malsain, ouais, c'est Michou, ouais, Elsa, votre compétition avec Michou, ouais, que tu veux pécho Elsa, blabla. Eh les gars, ouais, c'est trop chiant. Ouais, mais c'est en chiant. Fait, tu veux pécho tout le monde. Mais oui, bah ok les gars, je vais pécho tout le monde. Mais moi, tu te souviens Non, mais après, ça, c'est partout pareil. Ouais. Hein, genre, le jour oui, où mais si le on, jour où t'avais mis ta main sur la cuisse de Pili, tu te rappelles ça? À ton anniversaire. Ouais. Mais mec, j'ai reçu le masse message alors que j'étais à côté hein, et que je m'en bats les couilles, tu vois, genre je sais commenter. Mec, les gens sont fous. Hein. Mais je pense ils se rendent pas compte certains. Mais c'est pas méchant, je pense. C'est pas eux. Non, c'est pas méchant, c'est juste maladroit. Mais c'est chiant. T'as l'impression. Mais hein. Les gens savent pas qu'on. Mais les gars, venez à partir de maintenant, on lance le hashtag no harcèlement. Pourquoi tu rigoles? Non, mais c'est vrai. Mais non, il mais a raison, wesh. Ouais. Si lui, il a une parole forte et qu'il peut changer les choses, go. No harcèlement. Même si quelqu'un est en désaccord avec vous, vous mettez vu. Vous répondez vu. Comme ça, au moins, il n'y a pas de haine. Tu réponds vu. Ça veut dire que t'as lu et voilà, ouais. Tu dis pas. T'as lâché un vu. Ouais, voilà. Non, je vais dire ça, du coup, je vais répondre, je vais dire. Si y a un mec qui te dit t'es une merde, tu lui mets vu.
et il aura trop le seum. Ouais, c'est comme le ratio un peu. Ouais, mais comme ça, au moins, il n'y a pas de harcèlement. Je suis sûr que ouais, cette technique, elle va arrêter le harcèlement. Non, non, mais je suis d'accord. Parce qu'en vrai, c'est abusé. Non, ouais, c'est, sur Internet, c'est trop chiant. Les gens, ils cherchent le drama, ils cherchent le popcorn, ils cherchent, tu vois. Donc, c'était voilà. Le message. Les gars, s'il vous plaît, c'était mon petit message du jour. C'est pour le bien d'Internet. Toi, tu rigoles. Parce que j'ai mon TikTok avec Mario. Mario, c'est vraiment. On va voir Mario cet après-midi. Ouais, il est avec nous. Mario, c'est un crack. Ça, je l'ai mis en ralenti. Ok, regardez, c'est super mignon. Mais c'est trop marrant. Y'a fond dedans. Épide ? Quoi ? Dans 10 minutes, y'a ta musique qui sort. Oui. Donc là, si je me balade sur YouTube, techniquement... Allez ! It's me ! Allez, Épide, fais un concert, là ! Debout sur le canapé ! Les garçons, c'est des chiens, toi t'es différent. T'aimes bien? Accro comme la nicotine, la plus bonne de toutes mes copines. Je vous fais un remake du clip là. Fais la choré du clip. La choré okay. Du clip. Oublie-moi, je suis ni ta reine, ni ta belle. J'ai plus des secondes. Faut que tu l'apprennes à Inox. Petit poulet, encore le pain à l'ail. Ma. C'est quoi ça? Des brocolis? Mais gros, mais attends, c'est toi qui gères les enceintes. Parce que je suis en plus un gros disquetteur. T'es un disquetteur? Ouais. C'est quoi ta plus belle disquette? C'est lors d'un défilé du 14 juillet. T'as dit quoi? J'ai dit, bah, c'est bizarre, je t'ai pas vu à la télé, pourtant les avions de chasse ils sont passés. Oh! Ça, c'est un repas prise de main. Non. Posez-vous pour la disquette, gros. T'as une disquette? C'est quoi ta top disquette? Faut que je me pose et que je réfléchisse. On verra tout à l'heure. Ouais, c'est une disquette, ça commence. C'est une disquette. Bon, désolé les gars, on va vous saouler avec la musique, hein, mais elle vient de sortir, donc voilà, hein, je fais plaisir. Oh, les brocolis sont trop bons. Succulent. Avec sa bouteille qui bouge, on dirait la perruque avec la calvitie là. C'est la musique qui le possède, frère. Tape, pose. Mais pose, il va pas manger sinon. Allez, tu peux revenir. Attends, il n'y a pas le drop. Tu peux revenir à table. Mais drop. Ouais, non, mais faut que tu aies le droit à manger. Cette musique, je te jure, elle est dans la police. Vous voulez du vin ou de la bière? T'as pas la mire. Wow, Mario, t'es hey beau gosse là. Ça va? Ça va ou quoi, Mario? Ça va, bah ouais, en forme, hein. Tu vas ça nous va, emmener où là? C'est quoi le programme là, Mario? Là, on va. Moi, tu peux le dire, tu t'inquiètes. On va faire les hélicos là. On va faire les hélicos. Une heure d'hélicoptère. Une heure? Ouais. On va être une heure dans un hélico. Vas-y, ça va la première cap. Ouais, ça va? Ouais, ça roule, ça roule. Mario, il me fume. Mario, on a besoin de toi. Tu vas récupérer la valise. Oui. Il y a la sienne. Ouais. Et celle d'Inox. Ok. Je veux que quand t'arrives, tu me préviens par message. Ok. On va passer en bas. Ok. On va enlever des affaires de Inox. On va lui faire peur. On va lui faire peur. Ok. C'est Mario, c'est Mario. C'est la valeur. Tout ce qui a de la valeur, on retient. Toi qui tu fais genre. T'es prêt, Inox? Ouais. Allez, ma gueule. Hey, Inox. Hey, Inox. Ça va? Ouais, Inox. Tu dis pas bonjour à Mario? Wesh Mario! Hey, ça va? Ça va ou quoi? On fait quoi aujourd'hui? Là, on va faire l'hélicoptère là. Oh là là. On fait l'hélico, et l'hélico, une heure d'hélico. Tu montes avec nous? Oui, je monte avec vous. Oh le crack. Il y a des hélicos de 6 et de 4. Ok. Ouais. T'es un génie, Mario. Tu vas comme ça, non? Oui. Flow agressif. Dis-moi des chaussures. Flow agressif, mon gars. Flow agressif. Flow agressif, les gars. On s'en bat les couilles, c'est les vacances. Eh. Mario, il y a un peu van life là. Ouais, Mario, c'est un van lifer. C'est un van lifer. Hein. Van lifer. Ouais. Regarde son van, frère. Bah, quand t'as ça, t'es un bien. Un minibus. T'as ouais, plus de place que moi. Qu'est-ce qu'il fait lui? Dès que je vois une marche, je suis obligé de. En fait, dès que moi je vais comme ça, ça me donne envie. Casse-les. On go dans l'hélico là. On peut aller K3 parce que je suis trop lourd pour aller avec les autres. Vas-y, les gars. Amusez-vous bien. Ça va être... Moi, j'adore ça. Ça va être ça, trop là. Cool. Ça va être trop cool. T'aimes bien la petite voiturette? Ouais, c'est marrant. Bah, ça me fait penser au Mexique. Ah, vous avez des voiturettes? Ouais, on peut les piloter. On faisait des courses. J'adore. Et on se fonçait dedans comme Mario Kart. Mais ouais, les gars, moi j'étais trop lourd pour aller avec les autres. Je sais pas comment le prendre. C'est ça notre hélico? Par contre, une heure d'hélico. Ouais. Une heure d'hélico. Du coup, Pidi, tu vas devant toi? Ouais. Your pilot's name is John. Hello, John.
How are you? Hello John, how are you? Fine. Do you speak French? Il a vu qu'on était quand même des galériens en anglais. Hop! Une heure d'hélico, les gars! Putain, on va survoler l'Afrique, ça va être trop bien! Ah, mais du coup, Pidi, mais attends, mais même les hélicoptères, c'est sens inversé! Ah, mais oui! Mais attends, mais moi, ça m'a perturbé. Du coup, il y a le pilote devant moi là, et Pidi, elle va être là-bas. La petite teuf. Et les autres, ils sont dans l'hélicoptère là-bas. T'entends? Je dois parler fort. Non. Mais ils sont tout petits, les hélicos. Aux apps, ils étaient super. Ouais, ils étaient. Ouais. Mais là, on est bien, du coup, tu sais, genre. Ouais. T'as l'impression qu'on a un hélico un peu privé. Adieu, les amis. Bordel, c'était vraiment énervé. Faites attention, il y a des scorpions et des serpents. Là, bon, là. Là. C'était pas vrai. Non, mais non, c'est pas vrai. Elle était comme une coquille. Vous avez kiffé? Ah ouais, ouais. C'était énervé. Une de ces vues de fou malade. Les plus beaux visuels de toute ma vie, je pense. En vrai de vrai, hein. On avait fait ça dans les Alpes. Les Alpes, c'était super beau, mais c'est différent. C'était, ouais, c'était la neige, quoi. Ouais. Et là, en fait, le fait de dire, on est loin de chez nous, tu vois. Wesh, l'équipe. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? C'est un pote. Mais attends, mais Bouzy, c'est le chien de ta... mais tes parents? Mais Inox, il a la même paire de couilles que toi. Super beau, toi. Les mêmes bouloches. Ah putain. Mais alors lui, il est en best life. Coucou, ça va, toi. Bouloche à Inox, il est super doux. Oui, il est super doux. Il est vraiment hyper doux. Hein. Château, c'est une saucisse. Vous êtes équipé? Ouais, c'était incroyable. C'était énervé la vue. Les manchots, les... Vous avez vu les manchots, vous? Ouais. Manchot, putain, il y avait des manchots. Vous avez pas vu un caillou comme ça? Non, non, nous, il nous parlait pas, le mec. Hein? Mais nous, il nous a parlé tout le long. Il nous a tout raconté l'histoire. Ah ouais, nous, il nous a rien dit. Oh! Bah non, on a jamais vu ça, nous. Ah non. Je vous jure. Ça, vous l'avez vu quand même, tous les otaries? Non. Non. Au moins 7000. Mais non, on n'a pas vu ça. Mais j'y troll. La vie de ma mère. La vie de ma mère, on n'a pas vu ça. Oh, mais... oh là là, Mario. Ouais. Oh, Mario, il sait comment nous accueillir, là. Mais oui. Mario. T'as kiffé, toi? Ouais. T'as pas peur de l'écho? Non. En vrai, des fois, ça fait des petites sensations. Ouais, des fois, ça... Inox, il lui parlait, il lui disait, ouais, ça sert à quoi les manettes? Il lui disait, bah si je fais ça, ça fait ça. Et du coup, d'un second, on disait, hop les... Mais non. Attention, souriez. Let's go, Mario. Hey, dans la boîte. Mario, je l'adore, il est super. Tu le vois, t'as le smile. Auto. À 7. Auto. Là. Tu fais quoi, là? Ah. Non mais là ça fait slash, je sais pas, je sais pas de rêve. Une punchline. Tu vas? Regarde, je sais pas. J'ai une grenade, Mario le best. Elle l'a glissé dans son zen. Mais non. Mais il y a tout le monde qui doit se mettre. Je te jure, mais il y a tout le monde qui se met. Moi tout à l'heure je l'ai vu, il marchait comme as avant d'aller truc, il a fait comme as. Il se gratte avec. Attends, mais il est tout mouillé le bout. C'est Peanut. Attends, mais le bout. Peanut il l'utilise, hein. Ah, mais t'es dégueulasse de faire ça. Il a léché. Mais t'es dégueulasse, gros. Ah, mais mec, t'es gore de faire ça. Il vient de toucher les yokus de Peanut. Le gros sac de Peanut. Mais ouais, je suis des bâtards. Pourquoi il a mis dans sa bouche? Et en plus, au début, il jouait le jeu, tu sais. Vas-y. Bah en vrai c'est pas les yeux coups, c'est pas les yeux coups, c'est pas les yeux coups. Il a mis sur les dans mon nez. Du... Ah c'est dans son nez. Dans son nez, ouais. Ça sentait... En plus c'était sucré. Comment tu craches? Il m'a saoulé. Il a plus de salive. C'est pas grave. Oh, j'ai mangé la crotte de nez d'apô. De mouquille. Ah putain. Go, les gars. Et je m'en remets toujours pas à chaque fois qu'on rentre. C'est tellement joli. Let's go, les gars, c'est l'instant où on m'a fait le vlog avant de le poster. Le Dobby s'est chauffé. Pourquoi? Attends, maillot de bâton. Tu regardes le vlog? Je vais là-haut, moi. Ouais. Tu vas là-haut? Ouais. Vas-y, je viens voir comment tu rentres dans la piscine, là. Tu vois le vlog? Le vlog, du coup, que je vais regarder, là, c'est le vlog d'hier. Il a dit à quoi, vous, Lucas? La journée était masterclass. Ouais, il a dit quoi, Lucas? Il m'a dit qu'il a tapé des bars. Ah ouais? Vas-y, j'ai hâte de voir. Moi, je le regarderai ce soir. Lui, il voit vraiment tout, tu vois quoi? Ouais. Du coup, lui, tape des bars. Moi, je regarderai en même temps que les abos. Moi, je regarde tout le temps en même temps que les abos. Tous les vlogs, je les regarde en même temps. T'es un gars fidèle, toi. Dis que de la gueule, tu cours là tout de suite, tu plonges. Je vais mourir si je fais ça. Non, non. Que de la gueule de mourir. En vrai, ça va. Bon, elle est fraîche quand même. J'ai entendu, hein. Ah, mais attends, mais elle est pas du tout profonde, quoi. Et si t'avances? Mais frère, là-bas, il y a une marche. Tape une petite brasse pour les abonnés. Il
faut que je me concentre. Do, bi, do, bi, do, bi. Oh, bâtard. Oh, bâtard. Je savais qu'elle était méga gelée en vrai. Les amis, faut pas oublier, en Afrique du Sud, on est en hiver. Et Mario nous a dit, arrête pas de nous dire, vous êtes méga chanceux. Parce que normalement, il fait froid. Il fait froid. Après, bah là, il fait froid là. Après, pour eux, froid, c'est en vrai 10 degrés, c'est très froid pour eux, tu vois. Mais normalement, il devrait faire ouais, entre 10 et 15 degrés. Là, aujourd'hui, il fait 19, je crois. Non, frère, c'est pas possible, je suis désolé. J'adore la mer et tout, là, l'eau, mais. Ouais, gros, j'ai pas de couilles. Au moins, t'as plongé, gros. Moi, je l'ai toujours pas fait. Ah merde, ça tombe, il est parti, il l'a pas vu. Si, si, j'en ai vu, il a esquivé. Faut qu'il ramène du monde. Ouais, non, c'est lui qui s'y fait bouger. Oh, attends, mais il fait une vidéo de quoi, lui. C'est le générique. Voilà. Je non. Encore une fois. Non. Je vais faire le générique des croutons. Sérieux? Voilà. Sur une base de musique de télé-réalité, comme d'habitude, je sais pas si ça va être les Marseillais, ça va être les Anges. On verra bien. Oh. Mais du coup, je vais tous vous filmer encore une fois, un par un, à faire des petites pauses, des petits gestes. Il va faire le générique, les quel tueur. Qu'est-ce qu'il y a? Il était quand même magnifique, ce générique. Il est là. En bas, ok, je vois. Mais ouais, je vous cassez les couilles. C'est chiant. Là, il est énervé. Mais moi, je voulais en mettre qu'un peu. Je voulais en mettre qu'un peu. Il m'a dit faut mettre la dose. Ah gros, t'as vraiment mis la dose. C'est la dose, frère. J'étais tombé. Les amis, ça va tourner le cash. Ok. Cash. Oh, Michou, ok, bébé. Ok. Cette année. Ça va le cash cash cette année. En vrai, de vrai. Ça va être chaud de trouver des cachettes. Hein. Bah, la villa est grande. Mais il n'y a pas de cachette parce que mais tout est vaste et là, tout est ouvert. Il va falloir être chaud pour trouver des cachettes. C'est surtout que ça fait deux jours qu'on est dans la villa quoi. Ouais, on la connaît pas encore bien en plus. Mais je vais vous laisser 5 minutes pour vous cacher. Non, un peu plus. Mais c'est vrai qu'en vrai, en y pensant, pourtant on a fait le tour et tout, il n'y a pas tant de cachettes que ça. Ça va les gars? Est-ce que vous avez pensé au petit pouce bleu? Oh, c'est peut-être pas. Peut-être pas. En plus, c'est Michou qui commence la vidéo. Ouais. C'est quoi? Hein? Mais c'est un mec qui danse? Mais c'est quoi cette musique? T'as pas vu? A chaque fois, tous les jours, il nous sort des musiques, des sons bizarres, lui. Mec, elle est incroyable, gros! Il est en train de m'étrangler, lui! La vie, tu dégoûtes. Vous êtes prêts? Et donc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est tous ensemble à la vie d'un. L'envers du décor! La semaine prochaine, normalement, pour une prochaine vidéo. Tchuss! Ciao tout le monde! Les amis, fin du tournage! Cache-cache! Cache-cache, frérot! Il était dur! Il était très très dur. Attends, mais depuis tout à l'heure, j'essaie de te voir, il était derrière moi. Très très dur. Il était très très dur. Me doucher. Il était très dur. C'est merde. C'était énervé. Et y a, en vrai de vrai, il y a des putains de cachets dans la villa. Il hein. Y a des vrais cachets. On a été étonnés. Hein. Putain. Regarde, regarde comment c'est gore. Mec, c'est une grande première pour moi. Quoi? Tu vas dans tendance? Top 1, top 2. Le boss. Ça y est. Top 1, top 2. Mec, ça veut dire que dans tous les youtubeurs de France, top 1, top 2. Les musiciens, t'es là. What the fuck, c'est incroyable. Toi. Mais les gars, vous déchirez tout. C'est un truc de malade. Vraiment. Une star. Bah c'est, non, c'est nous tous. Hein. Oui. C'est nous tous. Putain, je vais le dire à Inox parce que voilà, c'est un peu l'acteur principal de ma série. À la base des bases, Inox, vraiment, je kiffais le filmer parce qu'il était con, tu vois. À la base du Maroc, c'est pour ça qu'on a commencé à le mettre dans les titres et tout parce que c'est ma mascotte, c'est mon mème, tu vois. Sauf que bon, bah forcément, il a grandi, etc. Mais c'est toujours mon gars, tu vois, c'est mon petit frère et tout. Et je vais lui dire, Inox, faut que je te montre un truc. Regarde-moi ça. Top 1 tendance, top 2 tendance. Non. La vie de ma mère. C'est trop gore. C'est trop gore, gros. C'est trop gore. C'est trop baisé. Mec, tu sais que c'est trop gore. Putain, je suis vraiment trop c'est content. C'est rare, ça. En fait. Ah, c'est très, très rare. À chaque fois, tu sais, il y a toujours le premier épisode, mais après, il me fait boycott. Je sais pas pourquoi. Oh là 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 là, mais c'est quel... très, très gore. Tu vas faire décoller le drone? Hein? Tu vas faire décoller le drone? Ouais. Attendez, mais qu'est-ce que... Oh, bien, putain, je pensais qu'il y avait pas de vitre. Putain de merde. Je me suis pris la vitre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais wesh! C'est que ça bouge en plus. Mais ouais! Avoue, t'es pas confiant là? Bah, de toute façon, j'y suis. Ah ouais, moi j'aurais pas osé. Je vous le dis tout de suite, j'ai le vertige. Et Aurore, vraiment prête à tout!
Par contre, si ça craque, j'avoue que moi, je suis pas au meilleur endroit. Tout ça pour une photo, quoi, mais putain, merde. Ah ouais. Après, sa photo, elle va être magnifique, en vrai. Oh, putain. Mec, en vrai, c'est méga dangereux. Tu tombes de là, je t'arrache, quand même, en vrai. Alors? Bah là, je suis en train de faire des plans. Oh, baiser, gros. Elle est quoi, la villa? T'as vu? Boîte, ça déboîte, hein. Tu le maîtrises, le drone, maintenant? Ouais, regarde, t'es prêt? Ça rend trop bien, frère. Wesh, la villa. Wesh. Non, on voit pas ce point de vue là. Ça flingue, hein. Ça flingue sa mère. Non, mais là ça charbonne, hein. Les croutons, les gars, on a beau dire, ça charbonne là. Tu vas faire quoi là, Dobby? Je vais tourner une vidéo sur une FAQ. J'ai pris une dizaine de questions. Ah ouais? Sur le voyage. Sur l'organisation du voyage, ouais. Et tout. Ça va comme cadre. Je sais pas, c'est le mieux là ou la montagne derrière? J'adore vous montrer l'envers du décor. Frère, c'est quoi ce bruit là? C'est des oiseaux là. Mec, y'a des oiseaux qui viennent chasser ton drone, frère. On dirait un clip en fait. Ouais. On dirait pas la vraie vie. De ouf. Alors que c'est la vraie vie en fait. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est automatique. Vas-y, éteins-le. Non, mais lâche-le. T'as pris un petit coup de pression ou pas? Un petit, ouais. Une petite batterie. mais tu l'as trouvé où, ton chapeau, Bouzy? Amazon. Tu l'avais dans ta valise? Ouais. Mais mec, mais c'est trop baisé. Ah ouais, là, c'est vraiment... Ça va être séance photo, là? Cape Town by night. J'ai trop veillé là, Jack Sparrow. Mais frère, mais qu'est-ce que tu nous as mis, gros? Bah, je sais pas, je tente des trucs, les gars. Mais mec, mais c'est quoi ce chapeau, frère? Il est trop grand. Mais c'est normal qu'il pointe vers le haut? Non. Si tu, si tu le mets dans... Ah. Je sais pas, moi. Bah là, ça fait un peu bizarre, là. Ça fait sombrero, un peu. Comme ça, plutôt. Là, ça fait plus Indiana Jones, là. Indiana Jones, voilà. Là. Ouais. Avec un lasso, genre. Il me fume de rire, putain. T'es vraiment un putain de bof assumé, hein. Mais non, là, ça va. Mais t'es notre bof préféré, gros. Ah, bah alors, ta petite séance photo, BG. J'ai hâte de voir le résultat, mais du coup... Mec, Dobby, il a fait des photos. Ce midi, tu m'as suivi, d'ailleurs. Et aussi, il a fait une vidéo, wesh. Ouais. Dobby l'influenceur. Ouais. Du coup, ce midi, quand t'étais venu me voir, ouais. Mec, c'est pas ce midi, frère. C'était quand? Bah, matin. C'était ça, bref. C'était non, mais là-haut. Il y a une heure et demie. Tu m'as vu là-haut? Ouais. Mais après, on avait fait d'autres photos là. Ah oui, ce midi, je l'ai pas filmé, ça, je crois. T'étais pas passé? Bah, tout le monde fait des trucs dans tous les sens. Bah, en fait, j'avais fait des photos pour remercier les Kings. Mais là, tu me dis, qu'est-ce que tu trouves magnifique là sur le truc? Franchement, le décor, je le trouve magnifique. Ah ouais? Y a pas autre chose que tu trouves magnifique? T'en zoome un peu là. Qu'est-ce qu'on voit là? Oh là là, Guette, regarde, j'ai même mieux regardé, Guette. Oh là là! Bon, c'est plus la même coque, j'ai changé depuis. Eh merci! Mais voilà, merci. Rhino Shield, des amis! Voilà. Ils sont là, regardez toutes les coques, là, on se sert tous les jours. Si tu veux changer, tu changes. Du coup, n'hésitez pas, aujourd'hui, on l'a mis le code, mais je le connais. Ah oui, InoxPince. InoxPince, le code. En vrai de vrai, il n'est plus trop à jour parce qu'InoxPince, c'est pas trop. C'est plus une pince. Mais c'est juste pour le même, InoxPince, quoi. Bah écoute, je suis sûr certain qu'à table, je lui demande un moment de. Imagine, il mange quelque chose, je lui dis, vas-y, donne-le-moi. Il va dire non. Moi pareil. Voilà, du coup c'est clairement une pince. Ah toi aussi tu dirais non? Les gars, un débat. Au moment où on se sert, ouais. Admettons on se sert, on est côte à côte, hop, on remplit nos assiettes. Je te dis tu veux ça, je le prends. Si tu me dis non j'en veux pas et que moi je le mets dans mon assiette, et qu'au moment où je mange tu me dis bon au final tu peux goûter, j'ai le seum. Ouais, bah du coup c'est la même chose, ça veut dire que par exemple... Je suis pas une pince. Bah ça veut dire que du coup c'est pareil, ça veut dire que dans ton portefeuille t'as de l'argent. C'est pas pareil, moi je parle de mon assiette. Donc, bah oui mais c'est à toi du coup. Là, non, de bah, imaginons ton portefeuille, c'est une assiette. Ah, tu mets ton argent dans une assiette. À ce moment-là, tu prends pas mon argent. En fait, toi, c'est moi, je suis un clébard. C'est moi, plus le contenant. Je suis un putain de clébard, frère. J'ai juste la dalle. On va te mettre une assiette anti-glouton. Non, mais admettons, on va au McDo. Ouais. Je te dis, tu veux une frite? Tu me dis non. Moi, je me prends des frites. Si tu me dis, tu me regardes avec deux yeux de biche et tu me dis, t'as pas une petite frite, s'il te plaît? Je vais avoir la flemme. Ah ouais? Mais qu'est-ce que tu bronques? Bah attends, pourtant les frites c'est excellent. Tu pourrais m'en donner une pour que j'aie le droit de goûter? Bah prends des frites, je t'achète des frites avant. Ah ouais? Ah, tu m'en achètes, mais et après? Non, si c'est pour la commande. Vous êtes team quoi? Vous êtes team portefeuille en cuir ou en assiette? La conversation, elle a ni queue ni tête, tes amis. Mais voilà, j'espère que vous m'avez compris. Moi, je suis un clébard. Et encore une fois, merci Rhino Shield. Voilà, merci Rhino Shield. Rhino Shield, eux, ils sont pas assiette, ils sont pas portefeuille, ils sont juste gentils et ils nous donnent des coques. Donc merci à vous. Et puis, bon, on vous aime. Les gars, regardez-moi ça, c'est le trio de la maison, le trio TikToker. Trio TikToker, ouais. Allez, acting, c'est parti, ça tourne. Marc va les lire et péter sa pute, il faut qu'elle parte. Oh là, j'ai arrêté au moment. Tu paniques ou quoi, Paul? 1, 2, 3. Quoi? Je crois que je l'ai. Ça sera sur le TikTok de qui? Moi. Le vrai bouseux. Ok, le vrai bouseux, les gars. Oh, mais il est incroyable. Oh là 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 là, let's go, chaud, ça cogne. Mais attends, mais. T'es en train de nous faire un remake là? Le bon vieux temps, frérot. Mec, j'ouvre la YouTube. Ouais, je l'ai dit. Je vois 6 fois ma tête. Mais mec, t'es partout, frère. T'es moi, gros. Là. Pide. Là.
Mec, c'est un truc de baiser, frère. C'est trop gore. Mais attends, mais pourquoi t'es en peignoir? C'est trop gore. J'ai raté un épisode. Parce que je suis en... j'ai plus de caleçon, c'est bon. C'est fini. Ah là, c'est fini. J'ai plus le caleçon de Dobby, j'ai plus mon caleçon. Donc ce et soir, là, c'est suis... le seul espoir, c'est que. Ce soir, c'est le seul espoir, sinon après, bah, je suis en caleçon toutes les vacances. J'école. Hein. Safari, comme ça. Salut les lions, salut les tigresses. Hein. Oui, comment ça? Ah, comme ça. Salut les gazelles. Hein. Ça fait trop le mec qui a réussi sa vie. Mais oui, je fais exprès. Mec, c'est les trucs 100% millionnaires là. C'est un TikTok? Ouais. Non, mais je vais mettre une story. La vie de ma mère, c'est trop drôle. Les amis, il est l'heure de manger. Oh, oh. Allez, allez. Allez, allez. À table. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? C'est du homard? Attends, mais c'est ça ton repas, toi? Ah, frérot. Ah, moi, c'est riz poulet. Ouais. Is le muscle man. Yeah. Je vais demander un truc simple, moi. J'aime la simplicité. Is langoustine. Ok. In France, you get langoustine. In South Africa, we get crayfish. C'est de la langoustine. Allez, bon appétit tout le monde. C'est parti, j'ai envie de croquer dans ça. Tu veux pas goûter un petit bout, Inox? Ouais, je vais goûter. C'est la scène de Bouzy. Oh là 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 là. Oh là là. Les repas dans ce voyage, ils sont vraiment masterclass. Alors, vas-y, Bouzy. Ça se mange. Comment tu t'es retrouvé dans cette position? Arrête! Faut pas me demander. Aïe aïe aïe, arrête! Arrête là! En plus il filme, arrête! Arrête, je peux plus respirer! Inox, c'est vraiment le petit frère de la bande. Je te vraiment la victime. La boîte musclée, on s'en bat les couilles. Je peux plus respirer! C'est le plus musclé de nous tous, c'est pourtant là. Arrête! Faut dire en anglais. Madame! Faut dire en anglais, faut dire en anglais. Miss! Help me! Men! Mais arrêtez là! T'as pété? T'es dégueulasse, gros! Je suis vraiment dégueulasse! Après. Pourquoi on rigole pas avec des proutes en vrai? Je sais pas. Mec, je sais pas pourquoi un paix. J'ai 30 ans. Ça fait péter. Non, ça fait 30 ans. Mec, pourquoi en vrai de vrai? Question réelle. Inox, t'auras peut-être la réponse, toi, que des fois que t'as la science infuse. Pourquoi un paix, ça fait rigoler? Gros, t'as 40 ans et tu rigoles encore sur un paix, gros. Déjà, j'ai 30 ans. Y'a rien de drôle. Y'a rien du tout de drôle à faire ça. Du coup, tu préfères que je ferme ma gueule, je profite pas de la vie et que je rigole pas? Pourquoi tu rigoles? Gros, tu l'as placé en mode masterclass. Tu l'as placé en mode masterclass. Bousy, il est mort de rire aussi. Bousy, il est mort de rire aussi. Oh putain. Et il faut le réveiller. Mais franchement, ça peut être un réveil, tu vois, par exemple. Tu vas au travail, t'as une journée de merde, mais tu fais réveiller musique, par ça. Hein. Mais gros, regarde, c'est... j'y viens, je regarde. Prends un mini verre d'eau. Gros, je te jure, je pleure. Je pleure. Il met toute l'eau dans sa bouche, je mets toute l'eau et on met cette musique. Vas-y. Mais à 3, ça va être impossible parce qu'il faut qu'on se regarde dans les yeux. Donc le perdant. Le perdant affronte l'autre. Non, le perdant il sort. Et du coup, le gagnant reste. Ouais. C'est moi contre Valouz et après ça. Oui, il y a toujours de l'eau dans la bouche. Il y en a déjà pris. Bon, bah au pire, vous faites en premier. Faites en premier. Ok, t'es prêt? Allez, tu gagnes. C'est les deux là. Ha ha ha!
C'était de l'eau qui pétille. Attends, c'est un molar ou je rêve? Il y avait tout, hein. Il y avait tout là-dedans. Il y avait même ma dent de sagesse. Putain, j'en ai pris plein la gueule aussi, moi. Si, c'est sale molar. Non, c'était l'eau qui pétille. Ah, j'étais mort. Balance contre toi. Les gars, vous allez pas me la faire, là. Non, parce que là, il a pas rigolé, lui, en fait, et toi non plus. Valouz contre toi. Je vais pas rigoler. Bah, lui, il a pas rigolé, moi, j'aurais pu. Attends, Valouz contre toi. Mettez-vous en face, attends. Ok, c'est Bouzy qui a gagné. Votre calvaire de valise, il est pas terminé. Quoi? Le vol, il a du retard. Non. Si, ouais, il devait atterrir à 21h20, il atterrit à 22h15. Oh, ça meurt, c'est vrai, on est vraiment maudit. Du coup, lui, il va aller vers 22h30, 23h. Ok. Donc, peut-être minuit, ils vont être là. Ok. Inox ? On a un souci avec nos valises. Non, mais vas-y, là, c'est du troll. L'avion, il a du retard. Il devait arriver à 21h15, il arrive à 22h15. On est maudits, gros. On est putain de maudits, frère. Bah, après, normalement, c'est encore ce soir, c'est bon. Non, mais de toute façon, on est soir. Mais juste, c'est une heure. Faut attendre. On part de décaler. Ouais, c'est ça. Les amis. Ah, Paul est en train de masser. Bah, je massais les pieds. Déjà, c'est bizarre. Elle est en train de masser les pieds de Pidi. Et à un moment, elle lui dit t'aimes bien quand on craque les doigts de pied? Et elle lui a retourné tous les doigts. Mais attends, mais vous faites pas ça, les gars? Mais non. Mais what? Ça fait du bien après, ça. Sérieux? Je peux te craquer mais un autre pied, Pidi? J'ai jamais fait. Fais le deuxième. Lui? Attends, j'ai envie que ça craque. Mais attends, mais. Non, j'aime pas trop. Chut, chut. Mais le gros doigt de pied, c'est impossible. Oh. Et t'as vu? Le gros doigt de pied, moi. Moi, c'est impossible. Oh! Oh bordel! J'ai été perpide. Mais oh, mais ça fait du bien en fait. Moi, j'arrive pas. Mais ça fait du bien, hein. Mais ouais, ça fait du bien, ouais, bordel. Ouais. J'avais ouais, jamais craqué mes. Tu crois que c'est tous les coins de temps que tu peux les craquer? Je sais pas. Merde, je suis en train de lui broyer le pied. C'est le même! Putain, c'est le même du bois! Ça marche, gros, j'ai trop le son. Hey, il est bugué là. Tarte à la myrtille, il y a tout le monde qui demande c'est quoi le son, c'est tarte à la myrtille, les gars. Mec, c'est le meilleur son, les gars. Il y a des gens, ils ont demandé le son. Ouais, il m'a blindé. Mais vraiment blindé, hein. Bah, quand je l'avais mis dans le vlog d'hier. Ah, mec, c'est le meilleur son. Il m'a vraiment blindé, hein. Mec, c'est... ce son, il me rend fou. Hey, c'est un son de Dijon, man. T'sais quand on se voit, mais t'sais que ce soir, il me fait faire des cauchemars. Quand elle dit. Mais gros, mais c'est possédé. Quand elle dit, frère. Cette herbe, c'est de la Bulgarie. Ton, 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 ton. Mec, elle me fait trop peur. Il fait bader, non? Ah ouais. Ah, il fait bader de ouf. Sérieux. Si, tu fais bader, frère. Quand tu vois dans les vidéos, tu penses vraiment qu'il y a de la drogue. Ouais. Mais lui, en fait, alors c'est dans sa tête, il est dégénéré. Aux Z-Event, ils ont dit, j'étais cocaïné. Mais en même temps, je comprends pourquoi les gens disent ça. Des fois, t'es déglingo, gros. Frère, en fait, je pense que j'ai activé une touche, c'est le lâchement. Ouais, en fait, je crois que tu t'en bats les couilles. Tout le monde l'a en soi. Mais moi, vraiment, ça me fait gaulerie de ouf. Tu sais que je crois que tu l'as aussi en toi, faut juste l'activer. Je l'ai. C'est comme les femmes fontaines. Hein? Mais quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Mais j'ai vu ça sur internet. Quoi? T'as tapé quoi sur internet? Bah, femme fontaine. Et c'est quoi? Bah, toutes les femmes sont fontaines, faut l'activer. Mais comment ça t'as regardé ça sur internet? Bah je sais pas, je me renseigne, c'est de la culture G. C'est de la culture G. Mais je te jure gros, il y a écrit toutes les femmes sont fontaines, faut savoir les déclencher. Mais arrête de se foutre de ma gueule gros, je te jure il y avait écrit ça. À peau à mot? C'est vrai. Moi je crois qu'à la fin de ce séjour je vais perdre 200 neurones. Mais ouais. Mais non mais je vous jure c'est vrai, dans le chat dites-lui, parce qu'il me croit pas, vous avez 40 ans, vous êtes même pas au courant de ça. Mais... C'est juste ultra bizarre, gros. Mais non. Mais non, gros. Mais qui c'est qui regarde sur gueule les femmes fontaines, comment les déclencher? Mais je sais pas, c'est... C'est genre t'appuies sur un bouton, quoi. Ah non. Ah non, ah non. Bah je vais pas... Non, ça marche pas comme ça, mais je vais t'épargner des détails. Je vais pas t'expliquer.
Bon les gars, il est actuellement 23h44, on attend toujours notre valise nous, hein. Tout le monde est parti dormir et nous on attend notre valise, voilà. Mais bon, une fois qu'on l'aura, on l'aura, on sera bien. Frère, on l'aura, dans 2 heures on l'a. J'enlève tout ça, le gars. Un peu cher, fermer sa valise. Et après, l'air de rien. Il va me détester, mais c'est pas grave. Tu vas tu l'amènes dans le van. Ouais, il l'a dans le van. Bon du coup, les rêves, j'ai tout caché dans ma chambre. Les amis, on a notre valise. Je crois qu'enfin le calvaire est terminé, maman. Mais casse-toi, mais qu'est-ce que tu fais, gros? Et arrête, ou je fais la même chose avec toi et t'es... Non, moi, je suis à poil. Parce que je te rappelle, toi, t'as plus d'habits, en fait. On a notre valise. Let's go. Eh, hey, Mario. Enfin hey, Mario, c'est un boss. Mario. Oh, Mario. Mario. Le sauveur, Mario. Allez, Mario, t'es un sauveur. Mario. T'es un sauveur, merci. Mario. Mais Mario, t'es plus beau gosse, et où la chemise, là? Mario, est-ce que tu peux dire bonjour les amis, je vous ai ramené vos valises. Bonjour les amis, je vous ai ramené les valises. Ouais. Super Mario. T'es un crack. Allez vite. Demain 10h du coup. Elle est vide. Comment ça, les... Ils m'ont volé mes affaires. Demain 10h du coup. Je te jure qu'elle est vide. J'y crois pas du tout. Moi, elle est pleine, frère. Toi, t'as pas de cadenas? Non. Mais t'as mes écoles. Non, bah ça va là. Bah c'est bon, mec. Ah, t'as tout retourné. C'est bon, non? Bah, allez, pas vite, frère. Frère, tu ranges ta valise comme une de merde. Ils m'ont volé, ils m'ont volé mes Jordan. Ils m'ont volé mes Jordan. Je te jure. Ils sont mes Jordan. Écoute, 1500 euros, mes Jordan! Attends. Mais gros, t'as bien mis des affaires là quand même. Vous me trollez, bande de bâtards. Mais attends, mais comment ça? En fait, ils ont recruté. Il manque quoi, non? Premier degré, Jordan 4, 1200 euros et ils sont plus là. Ils viennent d'arriver, frère. Donc, bah, monte ta valise, fais le tri là-haut et tu vois ce qui te manque et on te fait la liste. Non, je sais que c'est pas lui, frère, je lui ai dit. On te fait la liste, gros. C'est pas toi qui m'as dit que justement tu pourrais te faire rembourser 1200 euros? Juste 1200. En plus, tu m'as dit ça mot pour mot. Il y a et deux jours. Il te manque quoi d'autre, mec? Mais attends, je me suis par contre, fait voler mes Jordan. Par contre, j'avoue que je rigole, mais. Non, mais t'as compris, moi, ça il manque ses Jordan. T'as des Jordan cadenas. Ouais, moi j'ai mon cadenas. Tu ouais. Mets pas de cadenas? Mec, une valise à cadenas, frère, c'est la vie. Et après, les 200 balles, tu mets pas de cadenas. Fais la liste, Inox, vraiment. Non, premier dog. Je m'en bats les couilles, on a réussi à trouver ta valise. Par contre, ça, j'ai les ados. Je l'ai pété aussi, tiens. Au moins, t'as des chaussures encore. Mec, il a volé mes Jordan 4. Union. 1300 balles, frère. C'est normal qu'elle ait. Elle était comme ça? Elle a arraché ta valise, gros. Mais pourquoi il a pas tout volé? Il est con. Bah des habits après en vrai Mais j'ai senti direct. Je connais le poids de mes Jordan. J'ai senti instant. Bah, c'est... il n'y avait pas l'équipe de France, il t'a pas volé ça. Mais frère, t'es mais comment le mec a su qu'il y avait les Jordan qui coûtaient cher? Bah non, mais il a juste dû ouvrir. Il ouvrait et il prenait tout. T'as peut-être ta paire et c'est tout. Et en plus, je les colle, hein. Je les colle dans ma story. J'ai dit à tout moment, il y a un mec qui a volé mes Jordan. Je l'ai dit. J'avoue, il a 10 ans en plus. Par contre, ta valise gros, c'est un foutoir. Je m'étonne que le mec il a. Ah oui, mais le mec a tout retourné. Le mec a pas voulu voler plus. Il s'est dit, oh non, frère, faut pas que j'ai pas le temps. Bah, 1200 balles, il s'est fait son mois. Hein. Vas-y, mais fais la liste. Mais il pourra pas se faire rembourser. Mais Jordan 4, fais la liste vite, s'il te plaît. Bon, on a quand même, ça, on a quand même récupéré, on a quand même récupéré notre valise, mais j'avoue que t'as perdu tes chaussures du coup. C'était mes préférés, j'ai fait exprès de les emmener ici. Montre une photo. Moi j'arrive pas en fait à visualiser. Et elle. Venons, on va dans le salon, je pense à rien frère. Oh t'as le seum. Ça a un peu niqué l'ambiance hein. Mais je suis content d'avoir ma valise, Inox. J'ai ma valise. T'inquiète, Inox. Hein. Mec, Mario c'est le boss, il nous a ramené notre valise. Il allait chercher parce qu'il est mini. J'ouvre ma valise. Mini-20. Mec, c'est un génie, Mario. Les gars, mettez dans les commentaires, mettez tous mec, c'est Mario, mes frères. Bah là, l'ambiance est un peu niquée quoi. J'ouvre ma valise, ils m'ont volé ma paire. Il y a un mec à Amsterdam, il est dans son meilleur coffee shop avec des Jordan. Et gros, en plus, j'ai collé. Il y a un mec qui est en train de se faire son meilleur poste en stade avec mes Jordan 4. Et il sait vraiment ce qui est en train de se passer.
Non mais gros. Après, t'as récupéré ta valise. Ouais, en vrai. T'as perdu des chaussures. Il aurait dû prendre ton truc suprême. T'as perdu des chaussures, mon frère, hein, mais bon. C'est mieux que rien. Ouais, j'ai trop le seum. Ouais, ils m'ont volé que ça. J'aurais préféré qu'ils me volent toute la valise. C'est de l'irrespect, là. Oh, il est trop seum. C'est du matériel, frère. Ouais, c'est que du matos. C'est du matos. Non, frère, la vie, c'est pas des chaussures. Hein. Bah oui, ça, c'est une très bonne phrase. S'en bat les couilles, hein, ouais. S'en bat les couilles des chaussures. Merci, Mario, le goat. Mario le boss, Mario il a montré que quoi ah, qu'il arrive, on pouvait compter sur lui. Il slide, il a cru que c'était claqué. Il a pas kiffé je crois. Tu veux les essayer? Le gars va regarder ou quoi? Tu me dirais que tu lui parles le mec à tes. T'as un mot à lui dire mec? T'es un chien. T'as un mot mec, t'aurais pu prendre Easy Slide, mais quand même. Mec, j'aurais quand même pu prendre Easy. Oh elles sont d'art, non? Ah putain. Mais là, au final, il a dit « Bon, la vie, c'est pas une paire de pompes, c'est pas grave. » Il lui a retiré que ses chaussures? Non, il a retiré aussi sa trousse de toilette, son parfum, non. Il a retiré plusieurs trucs, apparemment. Attends, je vais être vénère. Eh ben, on sait pas si on lui dit ce soir avant de dormir, ou si on le laisse dormir avec ce... Bon, j'aurais dû le laisser jusqu'à demain matin. Ah ouais? Ouais. Bon. C'est qu'une trousse de toilette, c'est que... J'avoue, les amis, je vais essayer d'être à l'affût. Il n'a pas de chaussures, il va pas la mettre ce soir. C'est vrai. Et puis on lui dit demain, on lui dit regarde ce qu'on a pour toi frère. Il va nous détester, il va nous détester. Après, voilà, on... Bon bah les refs, sur ce, je vais dire quand même au revoir à mon petit frérot. Je vais m'en autre avec toi, on a quand même ta valise gros. Notre valise. C'est le principal. Je vois que t'as le seum quand même. T'as ta valise, t'as tes vêtements, t'as ta trousse de toilette, t'as... J'ai trop le seum, parce qu'en fait... On va pas se brosser les dents. J'ai l'école. En fait c'est ça qui m'est... C'est qu'il y a un mec qui m'entend. Dans l'au-delà ou je sais pas où, il y a une voix qui m'entend. Tu te tracasses pas, frère, il y a juste un mec qui t'a volé tes pompes. Il y a une voix qui m'entend. Pourquoi, comme par hasard, il a volé ce que j'ai dit? Dans ma story, j'ai dit il y a 3 jours, à tout moment, il y a un mec qui est en train de jouer avec mes AJ4 et faire des posts Insta. Ouais, j'ai vu. Et il y a vraiment un mec qui les a pris. Ça veut dire qu'il y a. Je crois, je vois le futur. Et en plus, j'avais dit, je sens qu'il va y avoir un problème avec nos valises. Ouais, c'est vrai que t'as pas arrêté de le dire dans l'avion. Bref, bah les amis, fin de vlog un peu moins égayant. C'est quand même amusé, on est quand même en vacances, on est quand même entre potes. Ouais, ouais, c'est pas on a nos valises. Les amis, sur ce, bah je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Demain, de très grosses activités. On va faire du kayak, il me semble, avec des manchots. Mec, demain avec des manchots, frère. Avec des manchots, frère. Ça va être insane. Je vous fais des gros bisous, comme d'habitude. Les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. On se dit à la prochaine, les amis. Tchiki brrr. Bisous, Inox. Hein. Bon, je ne l'ai pas dit, mais on lui rend demain matin. On va le laisser cogiter toute la nuit. Et en fait, je crois qu'il y a d'autres trucs en moins dans sa valise. Je sais pas si enlever Dobby. Mais du coup, on va attendre demain matin et on va lui rendre demain matin au réveil. Il va nous traiter.